Je refuse de ne signifie pas que je suis faible.
Retenez une chose, c'est que ne vous fâchez jamais quand on prend quelqu'un qui montre la haine qu'il a envers un compatriote, la haine qu'il a envers un frère. Ne vous fâchez pas. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Retenez que chaque direct que nous faisons ici, au Cameroun, les gens mettent les enregistrements. Dans 10 ans, dans 15 ans, quand il va atteindre 50 ans, 60 ans, on va le lui rappeler. À ce moment-là, il sera sage. Parce que pour le moment, il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Parce que s'il était sage, il allait écouter ce que je lui disais. Il n'est pas sage. Je lui donne rendez-vous. Quand il va avoir 55 ans, on va lui remettre ses paroles de 30 ans qu'il a là. Il va dire, c'est moi qui disais ça. Ne vous fâchez jamais. Quand on le prend, vous fâchez pas. Parce qu'on va... Je vous dis, au Cameroun, on met les plaies, on enregistre. C'est moi qui vous dis. Moi qui vous parle même, j'enregistre. Ça peut ne pas être sur Facebook, mais moi j'ai. On va lui sortir ça. C'est pour ça que quand vous êtes en direct, observez bien quand je parle ici. Tous les mots que je sors dans mes directs, je mesure le pour et le contre de ces mots. Deux fois, quand je veux sortir un mot, vous voyez, vous observez bien, je m'arrête. Je ne m'arrête pas pour rien. Parce que le mot que j'ai voulu sortir, je me rends compte que si on utilise ce mot dans un autre sens, il va donner telle connotation, donc ça déforme mon message. Je m'arrête. C'est comme ça. Ça, c'est pour ça qu'on dit que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Quand ça part comme ça, ça coupe. Quand ça rentre, ça coupe. On a coupé parce qu'il y avait les têtes de mort. Moi, je voyais les têtes de mort.
Les gens ont commencé à mettre les têtes de mort quand Trevor était. Je vous dis, on va lui ressortir ça quand il aura 55 ans. Il a parlé comme ça au direct de Fleur de Lille. Les gens ont enregistré. Il vient encore de parler. Les gens ne vont qu'enregistrer. Je vous dis, quand il aura 55 ans, on va lui remettre ça en disant que voilà ce que tu disais. Or, quand tu dis, c'est pour ça que j'ai fait l'effort de dire que la vérité. Parce que je sais qu'elle est indéniable. Tu vas tout faire. Moi, tu dis que ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu vas beau dire ce que tu veux dire. Tu contournes même. On va te dire partout où tu iras que ce qu'Abdel a dit, c'est la vérité. C'est comme ça. Vous vous rappelez, on avait fait un direct ici avec Amir Kamer. J'avais fait un direct. Amir Kamer a envoyé l'invitation. J'ai pris Amir Kamer. Vous vous rappelez, c'est un direct où Amir Kamer avait posé la question. Donc, si toi, on te donne l'argent, tu refuses. Vous vous rappelez de ce direct. J'ai dit à Amir Kamer que je ne prends pas l'argent. Amir Kamer a dit que non, papa, si c'est moi, je prends d'abord. Vous avez vu ce qui s'est passé après. On a coupé la partie de ce direct. Tac. Du coup, comme c'est leur travail, moi, je ne fais pas ça. Parce que je sais quand est-ce que si je veux nier quelqu'un que je veux utiliser. Mon but n'est pas de nuire les gens. Je ne fais pas dans la manipulation. C'est ce qu'ils font dans la manipulation qui coupe une vidéo. Parce que quand on coupe une vidéo, vous n'allez qu'écouter la partie-là. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé l'habitude de mettre soit toute l'émission. Observez bien. Beaucoup de gens évitent de rebondir sur mes directs. C'est pas pour rien qu'on évite de rebondir sur les directs que nous faisons ici. Parce qu'ils savent que nous disons la vérité. Quand je vais te dire que voici le bureau, le conseil exécutif de l'Ordre national des avocats, je te dis, voilà. Tu n'y en te donnes les noms. L'autre a dit que je manque sur la chambre de commerce. J'ai lu. L'intérim de un mois. Parfois même des semaines. Ça n'a été même pas un mois. Donc, du coup, les gens ont coupé ça. Donc, c'est comme ça que les gens qui sont dans la manipulation font. Ils sont conscients qu'ils manipulent. Ils sont conscients qu'ils manipulent. Ils savent qu'ils sont dans la manipulation. Je vous dis, dès qu'Amé Kamé avait dit ça, c'est ça qu'ils ont pris, ils ont coupé. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une situation où les gens veulent manipuler. Ils sont à la recherche de la manipulation. Quelque chose qui va faire en sorte que la mèche s'allume. Parce que jusqu'à présent, ils ne savent pas que toutes les mèches qu'ils ont mises au Cameroun sont mouillées. Jusqu'à l'eau coule comme le robinet. Ils allument le feu, ça ne prend pas. Ils allument ici, ça ne prend pas. Aucune mèche ne peut prendre avec l'eau. Aucune. Pour le moment, il est jeune. Il a la fougue. Quand il aura 55 ans, 57 ans, il va changer de réflexion. C'est pour ça qu'on reproche aux gens, parce qu'on ne peut pas accepter que nous avons nos frères. Ce sont nos frères, les gens de l'Ouest Cameroun.
La France monte un coup contre nous, il valide. Il valide le plan de la France. C'est de ça qu'il est question. Jusqu'à l'ambassadeur américain va à l'ouest pour planter les arbres. Il lutte contre la déforestation. On appelle ça l'escroquerie intellectuelle. Ils ont coupé les arbres à l'ouest. Il faut comprendre. Nous sommes, à un certain moment, nous faisons souvent ce qu'on appelle de la géopolitique, même dans les directs. C'est ça, la colère. La colère te rend un mauvais service, comme elle te rend un bon service. Moi, que vous voyez cela. J'étais colérique, le feu sort seulement. Je ne passais pas une journée sans... En Vokada, je ne passais pas une journée sans lutter. Non, tu es qui? En Vokada? Non. Mais en grandissant, j'ai compris beaucoup de choses dans la maîtrise de la colère. J'ai compris beaucoup de choses. Ça te sort parfois des situations. Tu es quelque part. Tu vois un acte que quelqu'un a posé. Tu veux t'enflammer après. Un autre cœur te dit laisse. Mais après, le temps passe, tu te rends compte que, en fait, c'était la bonne décision que tu avais prise. Quand on fait avoir l'invitation, tu dois conclure le direct. Il faut que les gens apprennent à savoir, il faut comprendre que nous ne sommes pas ici. Je vous dis, tout ce que nous vivons au Cameroun, le plan a été bien... Chez là, je luttais en Vokada un jour, tous les jours, bagarre, tous les jours, chez là, bagarre, tous les jours. Ha. C'est en grandissant que j'ai abandonné toutes ces choses-là. Quand j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Ce qui fait que les gens qui me connaissaient, qui me connaissent souvent, qui me connaissaient, jeune garçon. Tu as changé. Parce que quand tu commences à voir les choses qui se passent au Cameroun, je parle toujours ici là. Oui, je te vois, mais il n'y a pas la caméra sur toi. C'est ça qui nous énerve. C'est que la France a voulu nous recoloniser en passant par nos frères, non, par nos frères de l'Ouest. C'est ça le problème. Voilà le véritable problème. La France voulant nous recoloniser passe par nos frères de l'Ouest et ils valident. Comme on a fait en Côte d'Ivoire, on est passé par les populations, les Djoulas. Les Djoulas ont dit oui. Aujourd'hui, les Djoulas disent qu'on regrette. Il nous a finalement donné quoi? Que ce Gbagbo, on était même encore bien qu'à l'époque de Gbagbo. C'est ce que les Djoulas disent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils ont voulu implémenter au Cameroun. Et quand on voit que nos frères de l'Ouest ont validé ça, et quand tu vas dire, on va dire que non, tu n'aimes pas, tu es jaloux. Hey!
Jalousie vient faire quoi là-dedans? Quand quelque chose est clair devant tout le monde. C'est ça le problème. Donc quand les gens ne comprennent pas ce problème. Le problème est que la France voulant recoloniser le Cameroun, il fallait passer par une population. Ils sont donc passés par le MSC avec plein de l'élite de l'Ouest dedans. C'est ça la vérité. Mais oui. Mais, chez là, il y a aussi une chose. Toi-même, tu ne fais pas aussi ton travail. Il faut aussi faire ton travail. Toi aussi, il faut aussi commencer à mettre quand même par derrière. C'est ça qu'il faut savoir. Les gens ne savent pas que c'est pour ça qu'on s'est levé. Voilà, il y a la caméra maintenant. Là maintenant, il y a la caméra. Non, il y a la caméra, je te vois maintenant. La caméra est là. Non, la caméra est là. Voilà. Oui, mais j'ai eu du mal à me connecter. Là, je ne comprenais même pas pourquoi ça ne passait pas. En fait, dans la première partie du direct, je me suis endormi. Et puis après, je me suis réveillé. Après, j'ai regardé un peu. En fait, j'ai mangé, je me suis endormi. Et puis, bon, voilà. Donc, je n'ai vraiment pas entendu tout le direct. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a le jeune Trevor, tu sais, les jeunes qui ne sont pas encore matures, les jeunes qu'on a lobotomisé le cerveau, comme ils sont jeunes, quand on va les sortir les vidéos, ce qu'ils ont dit avant, ils vont nier. Ils vont dire vraiment de Dieu, c'est la jeunesse. Vous savez, j'ai pas suivi tout le direct. J'ai suivi au début, après quand je suis allé manger, parce que j'ai pas eu le temps de manger depuis le matin. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il était minuit et le direct était déjà lancé. Donc je suivais. Après j'avais faim. J'ai mangé là, je me suis endormi totalement. Et puis après, j'ai juste eu des coups de téléphone après quand je me suis réveillé où on me disait que ça allait dans tous les sens, qu'il y a eu des interventions des uns et des autres et que ça allait vraiment dans tous les sens. Bonne numéro. Mais puis je suis revenu. Il y avait Sabam qui était en direct, mais à la fin. Donc j'ai même pas entendu son intervention. Ouais. Voilà. Donc globalement, ce que moi je peux dire de façon tout à fait générale, c'est qu'il y a eu beaucoup de sujets là. Les premiers sujets que j'ai vus, c'est quelles sont nos positions sur les marches du 9 novembre. Bon, voilà. Moi, je ne peux pas répondre de ça. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que tu en penses. J'étais au Cameroun. Moi, j'ai dit que moi, si quelqu'un est à Paris, qu'il aille marcher. C'est une marche de soutien. Je répète encore, c'est une marche de soutien à nos institutions. C'est une marche de paix. Si quelqu'un peut mettre sa pierre à l'édification de la paix, c'est toujours bien. Donc, moi, je ne trouve pas quelque chose de négatif que les gens aillent marcher pour la paix. Voilà. Donc, moi, c'est comment je répondais aux gens, c'est que je ne sais même pas comment ça s'est passé, parce que j'étais complètement déconnecté. Donc, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien. Et apparemment, certaines personnes, je ne sais pas, pour moi, c'est trop flou. Il y a des gens qui veulent marcher, et puis il y a d'autres personnes qui s'opposent à la marche, et je ne comprends rien. Moi, je ne peux pas répondre. Donc, chacun fait un peu avec son âme et conscience, parce que je n'ai aucune information. Si ce n'est qu'une marche, où est le souci? Mais apparemment, enfin bref, c'est trop compliqué pour moi. J'aurais aimé, voulu suivre tout ça et comme ça pouvoir donner un avis éclairé. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'était
tout ce qui se passe au Cameroun actuellement. Moi, je dis aux personnes qui sont des Nkwa, ce que l'on appelle des Nkwa, que nous avons le devoir de nous organiser. Que ce soit pendant le dialogue, et il s'est avéré, d'après les informations que j'ai, un ensemble de personnes dans les dialogues étaient majoritairement en fait des personnes aux États-Unis avec des connotations des régions anglophones et des régions de l'Ouest. Donc, ils revendiquent un ensemble de choses. Ce qui est assez frappant, c'est que nous, on ne s'est pas organisé et on ne revendique rien. Même si dans notre parcours, on a quand même eu. Grand frère, c'est parce que nous avons fait confiance à nos élites qui sont dans l'administration. Et je pense que c'était une erreur. C'est une grosse erreur, mais il faut, enfin, on revendique. Nous, on a quand même posé deux, trois petits problèmes sur la table, mais comme je disais toujours, le consensus global était un peu plus mitigé. Il fallait quand même que les gens, en tout cas les Nkwa, s'organisent. Il y a une réalité aujourd'hui qui est une faction. Et on ne peut pas continuer à regarder une faction se former sans qu'une autre faction se forme. C'est clair. Parce que quand on parle de vous, quelqu'un qui vient au combat, vous ne pouvez pas continuer à lui opposer le non-combat. Le Sinon, non-combat, il vous faut allez le combattre. perdre. Ça veut donc dire qu'on doit s'organiser d'ailleurs, comme on le fait déjà très bien sur cette plateforme, mais on doit aller beaucoup plus loin dans la logique de créer autre chose. On doit aller beaucoup plus loin dans cette logique. Parce que sinon, on sera des gens qui reçoivent des attaquants, qui donnent l'assaut et nous, on ne réagit pas. Enfin, on est quand même dans une plateforme où on est en train de créer une réalité dynamique importante et cette réalité dynamique doit pouvoir aussi réagir par rapport à ce genre d'événement, par rapport à ce genre de posture. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il est temps qu'on s'organise en tant que quoi? Il est temps qu'on passe un autre message, qu'on ne continue plus à être des gens fratricides. Parce que les autres se sont construits parce que nous leur donnions le contrat, parce qu'on se déteste entre nous. Et nous en sommes là. Et c'est Et ça pour qui en rester. arrive, et c'est ça qui arrive avec les patriotes. Tellement, ça fait tellement mal. C'est exactement ça qui se passe là-bas. Moi, je n'ai pas envie d'en parler parce que je n'ai pas envie. Tu sais pas, c'est quoi? Ils s'engueulent pour rien. Je t'ai dit ça au début. Mais quand moi je parle, les gens ne comprennent pas. Quand je te parlais de guerre fratricide, quand je te parlais de guerre d'ego, c'est tout ce qui se passe là. Et cette guerre d'ego a fait que nous sommes allés au dialogue. Si notre plateforme avait un consensus, les autres n'en avaient pas. Parce que les gens sont en train de se battre personnellement. Les gens sont en train de se mettre en conflit dès que tu proposes, il y a quelqu'un qui est en contre-position. Dès que tu es en contre-proposition à quelqu'un qui propose. Et puis après, personne ne comprend plus rien. Parce que nous sommes dans des luttes d'ego. Et tant que ce problème des luttes d'ego n'est pas résolu, ce sera très difficile de créer une cohérence. Quelque chose de logique, quelque chose de rationnel, quelque chose de construit. Moi, je suis heureux parce que sur notre plateforme, on a pu construire ça. Je dis bien que nous sommes dans une plateforme cohérente. Et je peux dire que je reçois en moyenne 20 coups de téléphone par jour des éléments de notre plateforme. Je suis ravi de constater qu'il y a beaucoup de cohérence, en tout cas chez les gens qui y croient. Bon, il y a petit quelques manipulateurs en dessous, des petits manipulateurs dessous qui sont sans importance. Mais il y a encore cohérent derrière. Et je suis satisfait. Je dis bien que je suis satisfait de notre travail. Et tu sais que je suis quelqu'un de très réservé. Je parle peu de mes satisfactions. Je suis quelqu'un de très, très critique par rapport à moi-même. Je me critique énormément. Et je sollicite toujours les avis des autres. Mais il y a une cohérence dans ce groupe qui me donne l'énergie. Je vous dis, il y a une cohérence. Parce que si vous savez ce que beaucoup de personnes de ce groupe font pour qu'on avance, c'est Beaucoup.
époustouflant. Je dis bien époustouflant. Quand je vois l'engagement de certains de notre groupe, vous ne les voyez pas là, ils ne parlent pas, ils ne prennent même pas la parole dans les directs. Mais si je vous dis ce qu'ils font pour qu'on avance, vous allez tomber par terre. Ceci étant, ce groupe-ci me plaît de plus en plus et il faut vraiment qu'on mène nos missions à bout. Ça va Parce arriver. que quand vous avez des gens qui sont autant engagés, moi ça me dope, hein. Quand vous avez des gens qui sont autant engagés, ça donne aussi la possibilité de s'engager. Mais bon, il est temps qu'il y ait de l'ordre dans ce qui la nébuleuse appelée patriote. Cette nébuleuse doit mettre de l'ordre. Moi, je n'ai pas envie de parler parce que bon, je n'aime pas donner des leçons aux autres. Moi, je parle d'une autre plateforme dans laquelle il y a un consensus sur qui fait quoi, qui travaille de quoi et qui porte quoi. Mais il y a un petit désordre dans les autres et c'est ça qui cause tout ce qui se passe là. Parce qu'ils sont en train de se battre. Qui a fait qui a salué qui a parlé à qui? Qui est important, qui n'est pas important? Ils ne se demandent pas qu'est-ce que nous voulons. Ce qui est important, ce n'est pas les êtres humains, mais c'est ce que nous voulons faire avec Cambodge. C'est ça qui est important. Ce n'est pas nous individuellement. C'est ça la difficulté, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qui crée tous ces problèmes où moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour prendre position. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne comprends pas ce qui s'y passe. Voilà. Ils doivent mettre un peu d'ordre entre eux et essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une véritable dynamique, une véritable cohérence, ce que moi je vais appeler une réalité qui s'oppose à la sécession, dont allez, une mouvance en quoi? Comme ils nous ont appelé un quoi, on va s'appeler un quoi. On doit s'organiser. Et d'ailleurs, j'espère que tu maintiens ta candidature à la mairie de Bafia, dont nous devons t'apporter le support maximum. Très bien. Et il y a d'autres qui ont pris contact avec moi dans d'autres endroits du Cameroun, notamment en Balmayo. Il y a des gens qui ont pris contact, qui sont dans notre groupe, qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qu'on devrait faire. On doit faire comme ça de plus en plus. Les gens de notre groupe qui veulent se présenter, c'est toujours bien d'avoir des gens élus dans les régions qu'ils nous fassent signe. On va les soutenir. Tu vois. Est-ce que tu vois que notre nouvelle a réveillé les gens au Cameroun? J'ai vu, je t'ai envoyé le. Neo Je est t'ai venu. envoyé le truc. Neo Et est venu. d'ailleurs, Dieudonné, je ne sais pas s'il est là, salut Dieudonné, parce que je ne vois pas les textes. Quand tu as envoyé la nouvelle, là, Dieudonné m'a envoyé un message, il m'a dit qu'attention, c'est même ne serait-ce que du point de vue de l'annonce, ce qu'on appelle en économie et en finance l'effet d'annonce. Ça peut bousculer les gens. Et j'ai vu une publication qui m'a Ça a frappé. vraiment bousculé. Ça a bousculé les gens. Et nous, on serait contents qu'ils le fassent. Pour l'instant, observons et ne changeons pas de cap, parce que eux aussi peuvent être en effet d'annonce. Non, ils sont allés, ils sont allés avec le ministre Luma Tangana. Ils sont allés dans un petit village dans le Mbamekim. Le petit village s'appelle Biakwa. Là-bas, ils ont acheté le cacao à 1300, à 1200. Ce qu'on voulait justement faire, Voilà. on est content qu'il le fasse parce que c'était le but. Et il faut qu'on continue à garder le cap parce que je ne veux pas que ce soit un effet d'annonce. Il faut que ça Non. continue comme ça pour la saison-ci qui est en cours et la saison prochaine dans laquelle on a promis de s'engager. Ils auront le feu aux fesses en 2020. Voilà. Ils auront Donc le vous voyez. feu aux fesses parce qu'on a déjà dit, j'ai déjà annoncé aux populations qu'on sera à 1300. Ils Et vous auront voyez le feu aux fesses parce que la réalité est là, 70 ans d'esclavage, il faut mettre fin. voilà. Vous voyez donc que le travail qu'on fait porte. Il suffit que sur notre plateforme, on dise qu'on va acheter le cacao à un tel prix au niveau des ministres au Cameroun. Vous avez vu le changement. Parce que sur cette plateforme-ci, nous avons dit que le cacao ne doit plus coûter ce prix, sinon nous on agit.
Ils sont en train d'agir. J'espère que certaines personnes comprennent qu'on est sorti du blablabla pour être dans le concret. Et ils nous ont court-circuité là parce que les cultivateurs ne vont pas comprendre que on doit nous remercier parce que nous avons forcément. Les cultivateurs, j'ai reçu les messages des cultivateurs qui m'ont dit que mais finalement, on se rend compte que c'est vous qui dites la vérité. Bien sûr, on n'est pas là pour mentir, mais en même temps, ça me fait plaisir parce que quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit waouh. Et c'est la condition sine qua non pour désengorger les villes et redonner aux cultivateurs le pouvoir d'achat Claire. qui va permettre de résoudre les problèmes. On va continuer à garder le cap. Nous sommes toujours sur l'opération cacao. Il faut que l'année prochaine, ça soit. Bref. C'est une très bonne chose. Et ça veut dire, ça montre à quel point nous sommes suivis. Claire. Voilà. On n'est pas dans les petites querelles intestinales fratricides. On fait autre chose. Donc ça, c'est un exemple de comment. D'ailleurs, j'avais juste avec Dieu un exemple de ça. C'est ce qu'on appelle en économie. Oui, dans ce qu'on appelle en économie et en finance, la confiance et l'effet d'annonce. Très bien. Ça, c'est une très, très bonne chose. Ça, c'est dans le fond. Mais bon, on va continuer à travailler. On va aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on bouscule les mœurs. Il faut qu'on bouscule les valeurs au Cameroun. Et c'est notre rôle. Notre rôle, et je suis vraiment content de voir la détermination de ceux qui nous entourent après nos premières réussites. La réussite qu'on a eue au Cameroun, flagrante. Personne n'ose en parler. Moi, je veux dire, ceux qui étaient au Cameroun, avec moi, ils ont pris des gifles. Et vraiment flagrante. Et ça nous permet de nous déployer un peu plus fort. Et il faut qu'on change la donne. Notre combat est la libération. Quand tu dis il faut qu'on change, non, le rapport de force est en train de changer. Bien sûr, Le ça résultat, peut. est là. On est en train de voir le résultat. Le rapport ne faut pas changer. Oui, on voit le résultat, mais pas besoin de chercher longtemps. C'est on dit et ça impose les prix au Cameroun. Ça impose les gens commencent à. Parce qu'ils savent que nous avons de la puissance financière. Ils sont conscients. Voilà. Ils sont conscients Voilà. que les gars, là, ils ont une Bon, puissance on a fait financière. la démonstration, hein, parce que quand je suis allé au Cameroun, les gens pensaient qu'on était léger, hein. Ils ont... ils ont pris leur gifle, là. Et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous font confiance. Depuis que je suis revenu, je suis assommé de messages, de coups de téléphone, des gens qui veulent adhérer à notre mouvement. Et c'est une très bonne chose. Je remercie tous ceux qui m'ont appelé. Je frôle le surménage parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que recevoir 20, 30, 40 coups de téléphone par jour. Rien que hors de mes activités, dans les activités de ce groupe. Je vous dis, si vous dites 40 coups de téléphone en une journée, ça veut dire 6 heures au téléphone. Trouvez le temps pour faire autre chose, vous venez me dire. Ouais. Et vous êtes au bord du surmenage. Mais enfin, nous sommes dans une dynamique qu'on ne peut plus lâcher. On doit tenir le cap. On doit aller, on doit avancer. Et d'ici le temps de nous organiser, on verra quoi faire. Et on va garder cette dynamique-là. Bon, je n'ai pas pu suivre tout le direct aujourd'hui. On va garder le cap comme on l'a fait. Je vais remercier toutes les personnes qui nous font confiance et qui viennent nous suivre. J'ai vu qu'aujourd'hui, on a atteint des. Et hier, on a relancé notre page a été partageable et aujourd'hui aussi, j'ai vu qu'il y a eu, en tout cas avant la coupure, un nombre de connectés énorme. Énorme. Ce qui prouve un peu que nous sommes sur la bonne dynamique aussi. On va essayer comme ça de plus en plus de faire adhérer les Camerounais à notre projet de société. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais remercier toutes les personnes qui nous font confiance. Je vais remercier toutes les personnes qui viennent nous regarder.
C'est vraiment, vraiment, vraiment satisfaisant. Je dis bien, c'est satisfaisant quand je vois l'engouement des personnes qui viennent là. Je ne vais pas parler de chiffres parce que ce serait indécent. Mais quand on voit la détermination que certaines mettent pour venir nous supporter, je vous dis, je n'ose même pas parler de chiffres parce qu'il y en a qui mettent vraiment, qui mettent tout leur cœur et qui apportent le soutien nécessaire à ça. Donc, c'est sur ça que bon, je suis en train d'installer la Web TV. J'ai eu le serveur qui est arrivé, serveur HP, que j'étais en train de configurer aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas suivi le début du direct. Je vais terminer sa configuration demain. Puis après le serveur, on va essayer tous les périphériques à ces serveurs, les caméras et tout ça. On va commencer par des choses comme les caméras, la tienne dont je dois définir les spécifications, la mienne dont je dois définir les spécifications à acheter, l'installation, les tests et tout ça. Et puis après, on pourra être beaucoup plus à l'aise et lancer les premiers programmes en Web TV. Donc, globalement, c'est un peu ça. On tient les délais. On a juste eu un petit décalage par rapport au voyage au Cameroun et à la fin du dialogue, d'ailleurs, le dialogue. Le dialogue. Ils ont voulu le dialogue. Est-ce que vous avez remarqué le talent de Monsieur Bia? Très bon. Ceux qui n'ont pas compris, je vais expliquer en deux, trois mots. Vous vous souvenez qu'ils sont allés en Suisse parce qu'ils voulaient le dialogue arbitré par la Suisse. Vous vous souvenez qu'il parlait que non, une puissance étrangère devra arbitrer le dialogue. Ça fait rire. Moi, petit nègre, voire un blanc, venir arbitrer un dialogue camerouno-camerounais après des siècles d'esclavage et de colonisation, non. Je dis bien non. Il y en a qui sont suffisamment négrillons pour pouvoir appeler des tiers de venir arbitrer leur dialogue. Mais enfin, Monsieur Bia, le génie Bia, à organiser le dialogue camerouno-camerounais au Cameroun. Est-ce que vous avez compris tout le talent qu'il y a eu là? Beaucoup de gens n'ont pas décodé. Beaucoup de gens n'ont pas décodé. Ils demandaient le dialogue, mais ils pensaient que le dialogue allait être organisé à l'étranger, arbitré par des étrangers qui allaient nous dicter la conduite à tenir. Tout le talent de M. Bia était de faire un dialogue camerounais, arbitré par les Camerounais. Quel que soit ce qu'on peut penser de ça. Mais franchement, moi au Cameroun, voir un petit Américain, quelques petits négrillons camerounais donc frapper au corps des Américains, ce qu'ils ont esclavagisé. C'est pour ça que l'ambassadeur américain dit qu'il faut refaire un dialogue. Mais en bas quoi? Demander à cet ambassadeur américain quand est-ce que nous, on va intervenir dans la politique intérieure américaine. Quand on flingue les nègres aux États-Unis, vous avez déjà vu un ambassadeur camerounais au perron de la Maison Blanche en train de demander pourquoi on tue les afro-descendants? Vous voulez qu'un ambassadeur américain, quel qu'il soit, vienne nous dire comment on doit faire le dialogue? Franchement, c'est un non. Un non. Je vous dis, Camerounais, n'acceptez plus jamais cette tutelle. N'acceptez plus jamais, jamais, plusieurs siècles de colonisation violente, plusieurs siècles je parlais de colonisation, je voulais dire esclavage, plusieurs siècles d'esclavage où on est battu, fouetté, humilié, après s'en est suivi la colonisation humiliante. Nous sommes en pleine néocolonisation et nous attendons qu'un blanc vienne arbitrer un dialogue camerounais. Ouais, ça ouf, j'en prends une gifle. Mais je peux le comprendre de quelques petits villageois qui ont grandi en fond de Mokouet et qui ont l'impression que le blanc est l'apogée. Mais franchement, les autres Camerounais ne devraient l'accepter ni d'Ève ni d'Adam. Plus jamais les humiliations. Plus jamais un mec assis sur le perron de l'Élysée ou de la Maison Blanche en train de nous dire ce qu'on doit faire. Nous ne sommes pas des sous-hommes.
Mais le dialogue a eu lieu au Cameroun, camerounais. Ils espéraient que le dialogue allait avoir lieu en Suisse ou aux États-Unis. Tu te souviens quand ils disaient, ah ben oui, le dialogue, il faut que des corps étrangers nous arbitrent nos dialogues. Mais il faut être un négrillon de la pire espèce pour penser que le mec qui t'a esclavagisé viendrait arbitrer ton dialogue. C'est pour ça qu'il faut féliciter le Whiteman d'avoir fabriqué le noir. Voilà. Donc, Monsieur Biya, avec tout son talent, a organisé un dialogue parce que vous le vouliez. Et c'était un dialogue. Il a tout court-circuité. Ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait là, il a court-circuité, tout court-circuité. Oui. Je dis bien tout. Les gens attendaient qu'il y ait un dialogue en Suisse arbitré par les Suisses. Les gens attendaient qu'il y ait un dialogue arbitré par les Américains. Ces petits vauriens qui traînent sans papier dans les capitales occidentales, qui attendent que le blanc, par sa magnanimité, leur offre des méprisables petits papiers. Les gens pour qui la seule raison d'être est une nationalité. Méprisable, injurieux, petit, je ne vais pas qualifier ça. Ces gens-là voulaient nous imposer un dialogue arbitré par eux. Vous voulez un dialogue? Eh bien, ils ont eu le dialogue. Mais notre dialogue entre nous. Quand j'ai vu ces choses-là déferler au Cameroun, en venant dire je viens des États-Unis. Ben ouais, tu viens des États-Unis, tu veux parler des problèmes africains en venant des États-Unis? Tu connais les histoires que je te parle, que je te dise qui est Marcus Garvey? Que j'ai vu qui est Malcolm X? Que je te dise qui est Martin Luther King? Mais lisez, Africains, lisez un tout petit peu, cultivez-vous. Ils vont se réfugier. Oh là 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 là. C'est un peu comme une fille vierge qui va s'enculer chez un violeur en Syrie. Ah, c'est la petite fille de 14 ans, jolie, tout vierge, et qui va chercher refuge chez un violeur en Syrie. C'est le même degré de bêtise. Et là, je ne mâche pas mes mots. C'est là où je suis incontournable. Quand la souveraineté, notre souveraineté d'homme africain, notre souveraineté de descendant, d'afro-descendant est mise en cause, je deviens insoupçonnable. Voilà. Le dialogue a bien eu lieu, et c'était un dialogue camerounais. Et je suis très très content que ce soit ça, même si les fruits de ce dialogue peuvent être mitigés. Continuons le combat. Le Merci. véritable combat, c'est la souveraineté. Le véritable combat, c'est les hommes noirs indépendants. Le véritable combat, c'est quand on n'aura plus besoin d'utiliser le franc, une monnaie qui appartient à la France. C'est ça le combat. Très bonne soirée et à demain peut-être. Demain. Ok, merci. Je suis encore. Fini, je conclue seulement. Ok, je vous remercie d'être venus nombreux pour donner plus de paroles. On a été coupé en cours de route. Et il fallait qu'on se sépare comme à l'accoutumée. Toujours retenez que les directs vont rester dans l'histoire du Cameroun. Tous ceux qui viennent déverser leur haine, on va les reposer ça. On va dire, voilà ce que tu disais hier. Tu es déjà sage. Demain, on vous présente, on va toujours faire une autre direct. Toujours éducatif. Retenez la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est on a acheté le cacao au village Biakwa à 1 200 le kilo. À partir d'aujourd'hui, informez vos familles au Cameroun. Il y a un numéro vert, 1502. Dès que vous voyez quelqu'un sortir avec les cartons dans une maison, appelez le numéro 1502. Dès que vous partez au marché, vous achetez une huile, vous voyez que l'huile là n'est pas bonne à la maison, appelez le numéro 1502. Ça va sauver les vies. Les cancers de col de l'utérus vont diminuer. Les maladies comme ce que vous entendez là, dialyse,
Pardon. Le numéro sur 1502. Dès que vous constatez, appelez. On viendra pour contrôler les maladies, ces choses, les faux médicaments. Les faux médicaments, les mauvaises huiles qu'on vend au marché. Tu parles de que mon frère, on se débrouille, non? Il n'y a pas question qu'on se débrouille. Ou tu fais quelque chose qui est bien pour tout le monde, on se débrouille, mais après on tue, on meurt. Je vous remercie d'être venu. Bon, bonjour pour vous là-bas en Europe.